Parce que certaines personnes pensent que hier, j'ai fait la vidéo, j'ai soutenu le pauvre jeune qui est Bangali Kaba. Ils pensaient que je soutiens RPG, madafaka. Moi, je ne vais jamais soutenir RPG. Jamais. Moi, je vous ai déjà montré, moi, mon parti, que je soutiens. Tout le monde connaît mon parti. C'est pas caché. C'est pas caché, moi, mon parti. Voilà. Moi, j'ai choisi UFDG. J'ai choisi UFDG par ma propre conviction, pas pour mon intérêt, mais pour l'intérêt de la Guinée. Parce que je sais que la solution de la Guinée, c'est Ludel Ngalo. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut faire l'affaire de la Guinée. C'est lui seul qui peut faire l'affaire de la Guinée. Donc moi, j'ai déjà choisi, moi, mon camp. Moi, je suis 100%, je vous dis aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui clairement, personne ne peut changer cela, sauf Allah ou Jawajal. Moi mon parti, UFDG, c'est mon parti. UFDG, c'est mon parti. Moi je soutiens UFDG par ma conviction, par l'amour. Mais je ne supporte pas UFDG à cause d'intérêts. Je ne connais même pas UFDG, les militants, les militantes ou bien les dirigeants de UFDG. Je ne les connais pas. Mais à cause de l'amour que Ella Seloudale a pour les Guinéens, c'est à cause de cet amour que je supporte son parti. Parce que le parti de UFDG, c'est pour tous les Guinéens. UFDG n'égale pas les peuples. UFDG n'égale pas les peuples. UFDG, c'est pour nous les Guinéens. C'est pour nous. Le parti, c'est pour nous. C'est nous, le parti. Est-ce que vous comprenez? Donc, RPG Arc-en-Ciel, même si vous me donnez quoi, même si RPG construit la Guinée comme États-Unis ou bien comme Dubaï, moi, Jaroul Bangoura, tant qu'un vrai fils digne, je ne vais jamais plus grand, jamais supporter RPG. Parce que RPG, je vous répète, RPG, le président d'RPG, le président d'RPG qui est Alpha Condé, c'est un président haineux, c'est un président qui garde la haine, c'est un président qui garde la haine contre les Guinéens, mais beaucoup de Guinéens ne savent pas. Alpha Condé, c'est notre ennemi, c'est l'ennemi de la Guinée. Regarde Alpha Condé comment il humilie les Guinéens aujourd'hui. Il fait arrêter les Guinéens, emprisonner les Guinéens, humilier les Guinéens. Humilier les Guinéens. Est-ce que moi personnellement, moi je peux supporter Alpha Condé? Alpha Condé a quoi? Il a quoi qui peut me convaincre de soutenir son parti? Moi je suis un vrai soussou. Moi je ne suis pas comme les autres soussous. Moi, je ne suis pas comme les autres soussous. Parce qu'il y a les soussous, il y a les soussous. Moi, je suis soussous, je ne suis pas soussous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, moi, Alpha Condé est en train d'humilier les Guinéens devant. Et puis, chez nous, un étranger comme Alpha Condé, un Burkinabé comme Monsieur le Président Alpha Condé vient emprisonner les Guinéens en Guinée et vous dites que moi je soutiens RPG. Mais quelle valeur RPG a? Que moi, Jaroul Bangoura, je peux les soutenir? Nulle part. Parce que nous sommes RPG soutenus. RPG m'aura parti soutenir. RPG m'a fait général l'ancienne compte Rafal. Le recueil RPG nous aura milité. Burn la langue, bombe club. M'aura soutenir. Ça m'a donné un RPG soutenir. Nous préférerions. Nous sommes cimetière qui. Nous sommes cimetière qui m'a quoi. Parce que nous n'avons pas ensemble, mais nous préférons un soutenir. Ça m'a donné un RPG Arc-en-Ciel soutenir. Partagez-moi ce live-là. Vos vidéos partagez, s'il vous plaît, la famille. Parce que il y a madafoka, il y a certaines madafoka qui sont parmi nous. Ils ne comprennent pas. Quand tu viens défendre quelqu'un, ils pensent que oui, tu veux prendre quelque chose sur lui ou bien quoi. Fuck you. Moi, je n'ai pas besoin. N'ai besoin, c'est ma RPG Arc-en-Ciel. Même si vous êtes des milliardaires ou bien construit la Guinée comme Dubaï, comme États-Unis, il y aura problème, Nanaki. Mais moi, le jour que je vais soutenir RPG, gardez bien mes vidéos. Le jour que je vais soutenir RPG,
le jour là na la na magande nga faka na ngoe ala kam faka na fallait attendre ouais aujourd'hui je soutiens RPG sur place même que je rends l'arme directement. Voilà, donc pour RPG, moi je ne vais jamais soutenir RPG, parce que RPG c'est un parti fautif, le président est un président fautif, un faux président. Voilà, donc moi je ne vais jamais soutenir le parti RPG Arc-en-Ciel 1, et je ne vais jamais soutenir professeur Alpha Condé. Voilà, donc la famille, essayez de comprendre les choses, le jeu qui se passe dans le game. Moi, je ne vais jamais soutenir RPG. Il ne faut jamais penser que Diaroul Bangoura est en train de faire double jeu. Bon, Boklat, moi, double jeu, je ne vais jamais soutenir. Je ne vais jamais faire double jeu à ma population. Parce que cette population, c'est ma population. C'est mon sang. Je suis pur guinéenne, fier de l'être. Donc, moi, je ne vais jamais trahir cette nation. Moi, j'ai déjà décidé à ma conviction d'accompagner la cellule de l'Engalo jusqu'à le dernier jour. Donc, personne ne peut changer cela. Donc, arrêtez de dire que oui, Diaroul Bangoura, il a soutenu RPG hier, il a soutenu Bomboclot. Oui, alors, mais, montant, hein, RPG, allez, moi, je ne suis pas comme les soussous qui traînent derrière vous, qui cherchent leur intérêt personnel. Moi, je ne cherche pas mon intérêt personnel. Moi, je cherche l'intérêt de la Guinée. Voilà. Tous les jeunes bomboclates, madafoka, qui viennent dire sur les réseaux sociaux ici qu'ils sont des activistes. Bomboclates, fuck you! Vous n'êtes pas des vrais activistes. Parce qu'un vrai activiste ne va jamais demander à un parti politique de lui donner l'argent pour défendre leur parti. Moi, je défends UFDG. Mais allez-y demander les cadres de UFDG s'ils me connaissent même. S'ils me connaissent même, ou bien si quelqu'un s'est trompé même le numéro de m'appeler. Et pourtant, moi, je ne me suis pas caché. C'est mon numéro qui est sur ma page. C'est mon numéro personnel qui est sur ma page. Le numéro, là, c'est mon numéro WhatsApp. C'est tout. Voilà. Donc, le premier ministre Kassori Fofana, je répète après lui, Kassori Fofana a toujours dit, tout ce soka qui soutient Alpha Condé, c'est un bâtard. Tout ce soka qui travaille avec Alpha Condé, c'est un bâtard. Est-ce qu'il a compris? Donc moi, je ne soutiens pas Alpha Condé. Jamais. Jamais plus grand, jamais. Donc, arrêtez-moi ça. Oba fallait faire que ouais tambara na RPG soutenir fait ou bien mbara bangali kaba soutenir, c'est l'être humain comme nous, c'est l'être humain. Voilà, c'est nous les noirs qui disent Black Lives Matter, et si on dit que Black Lives Matter donc on t'en faut vivre moi fandema de moi ma vive fait ou bien moi ma vive fait pendant 100 ans ou la ma ou rana nan kolom ou ba sietana ou en faladar n'ta alfa konde soutenir mandera fera. RPG Arc-en-Ciel ne soutenait Mandela Fera. Ne, Misenei. C'est ce meilleur. Moi, je soutiens UFDG par ma propre amour, conviction. J'ai pas demandé l'argent. J'ai pas posé ma condition. Rien du tout. Parce que je sais que Cellou Del Engalo est la solution de la Guinée. You know? Il est la solution de la Guinée, c'est pourquoi moi je le soutiens. C'est pas à cause d'argent, c'est pas à cause de quelque chose ou bien. Bon, Boklat. C'est mon amantin intimidé, c'est quand même riche soutenu, quoi me refera. Jamais. Mais, anon di fao, anon di fala. Non di na fao, anon di fala. Ou rana activiste bomboclat, madafoke poussier. N'a refamé de réseaux sociaux, mais n'a fallu activiste. Tu es activiste, tu demandes l'argent à un parti politique. Mais c'est quel genre de activiste que tu es? Un vrai activiste, normalement, un vrai activiste,
ne doit même pas défendre un parti politique. Plus tard, il doit défendre l'intérêt de l'Afrique. C'est ça qu'on appelle un activiste. Mais un activiste qui vient demander à un parti politique, donnez-moi 10 000 euros, je communique au bain. Donnez-moi 15 000 euros, je m'adou mérili, mon campagne bombe au bain. Mais parti activiste n'en a qui? Ou fanga no ora li abi de sono me ga ba fa fi ran wo ma da ro ran wule fa la wo be activiste me ce sera finir activiste alors mon do un gars activiste na ndera activiste mo me yo activiste na ran parti politique défendima activiste que ce sont pas des vrais activistes. On a vu pendant la campagne, on a vu les activistes qui viennent demander à UFDG de payer 10 000 euros, 10 jusqu'à 15 000 euros, de faire la campagne sur le réseau social, juste pour, sur le Facebook. Et donc, Facebook, quand ça me bombe, on vote celle-là, 10 000 euros, ou bien 15 000 euros. On est dans ma activiste. Activiste, mais reboulez! Bah, le fait, il y a un montant la UFDG qui, par amour, parce que Seludel est une personne comme nous. Il est quelqu'un, il aime bien les Guinéens, il aime la Guinée, il aime bien les Guinéens. Il n'est pas comme Alpha Condé qui réside comme en Occident pendant 50 ans. Un président asilé en Europe, en Occident pendant 50 ans. Comme les Guinéens, nous sommes bêtes. On prend un président en asile, on lui donne le pouvoir. Mais comment est-ce possible que lui, il peut nous respecter? Il ne peut pas nous respecter parce qu'il nous connaît. Il ne connaît pas la Guinée. Il ne connaît pas les Guinéens. Nous, on n'est pas contre à le professeur Alpha Condé. Mais on a contre son système. Il y a un système où les darinara quoi. Ouais. Parce que quand tu prends le système d'Alpha Condé, regardez, au moins, prenez 50 ministres. Les 50 ministres, il n'y a que 2 ministres Peul, 3 ministres Soussou, 45 ministres. Non. 2. Oui, 2 ministres. 2, yeah, 2 ministres Soussou, 2 ministres Peul. Un ministre forestier, 45 ministres malinqués. Mais l'administration guinéenne, moi je pense bien qu'on dit l'administration guinéenne, c'est pas l'administration mandingue. Voilà, donc je ne suis pas contre les malinqués aussi. Hein. Avant que certains malinqués, certaines personnes pensent que oui, je suis contre les malinqués. Je ne suis pas contre les malinqués parce que c'est la même famille. Mais je suis contre le système d'Alpha Condé. Parce que l'administration de feu général, là, ça n'a compté. Tout le monde était égaux. Tout le monde travaillait bien. L'administration de feu général, là, ça n'a compté. Tu ne peux pas dire que oui, lui c'est Soussou, lui c'est Peu, lui c'est Malinké, lui c'est Forestier. Non, jamais. Jamais de la vie. Mais aujourd'hui, l'administration de M. Alpha Condé s'est remplie que des Malinké. Ouais, c'est normal, c'est ta communauté. Mais essayez de comprendre que la Guinée est une famille, avant tout. Donc, le politique d'Alpha Condé, c'est ça que nous sommes contre. Et son système. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne vais jamais défendre RPG Arc-en-Ciel. Il ne faut pas que les gens pensent que oui, Garou est en train de défendre un RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, jamais de la vie. Jamais plus grand, jamais. Sambe nous allons défendre un RPG, Ralin Sagour, Soyema. Eh, yé, ma soyez random. Nafi Sambe, Sambe nous allons RPG soutenir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Eh, les gars, ne pensez pas que oui, on est là aujourd'hui, on soutient UFDG parce que UFDG nous donne quelque chose. UFDG ne nous a rien donné. Rien donné. Nous sommes là-bas par l'amour, la conviction. Voilà, c'est pourquoi Mounana, à cause d'argent. Si c'est à cause d'argent, est-ce que vous avez une fois vu
les communicants de UFDG viennent sur le réseau social de dire que oui, UFDG, ils ont donné l'argent à telle personne, ils ne m'ont pas donné l'argent. Non, c'est RPG qui font ça. C'est RPG qui font ça. Vous comprenez, non? Les communicants d'RPG, c'est eux qui font ça. C'est eux qui viennent dire que oui, RPG, les cadres d'RPG, ils ont donné 5 millions à Momo, 10 millions à Fodé. Nous, on n'a rien reçu. Mais pas nous. Jamais pas nous. Parce que nous, on a choisi UFDG par l'amour, par la conviction. On n'a rien demandé, rien. On n'a rien demandé. Parce que ce sont nos voisins, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos tantes, nos papas, nos mamans. Voilà. C'est parce que vous voulez ethniser tous. Voilà, moi je ne suis pas peul, je suis soussou de père et mère. Mais cela ne dit pas que oui, je ne peux pas soutenir UFDG. Parce que UFDG, c'est pour tous les Guinéens. En tout cas, moi, un peu ne peut pas me dire que oui, quitte à UFDG, jamais. Alors, il y a un bon boclot, jamais. En tout cas, UFDG, Mrio, aucun peu, moi, peut me dire que oui, tu es sûr, tu ne fais pas partie de l'UFDG. Jamais. Jamais de la vie. UFDG, c'est pour tous les Guinéens. On appelle tous les bonnes Guinéennes, tous les bonnes volontés de venir rejoindre UFDG. Maximum de leur respect, parce que UFDG est une famille. UFDG n'est pas comme RPG Arc-en-Ciel. Nous tous, nous avons que RPG Arc-en-Ciel, il s'appelle Anne Bansali. Mais nous, UFDG, c'est une famille. Il y a combien d'ethnies qui sont là-bas? Combien d'ethnies? Il y a des soussous, des peurs, des malinqués, des forestiers, tout. C'est là-bas que vous comprenez, vous allez comprendre que oui, UFDG, c'est une famille, ce n'est pas un parti politique. Donc, comme le président Alpha Condé, il s'appelle divisé pour régner. Comme la jeunesse guinéenne aussi, c'est une jeunesse ignorante, inconsciente. Ils ne comprennent pas le jeu politique. Il faut venir donner seulement 10 millions à quelqu'un. Il va aller combattre sa voisine directement. Parce que lui, il est peul ou bien malinqué. C'est en la Guinée seule que tu peux voir ça. Un politicien vient te dire que oui, tu as ce sou, il faut que tu votes comme ça, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Jamais. Moi, je suis ce sou, mais je suis libre de supporter n'importe quel parti que je veux. C'est ça il s'agit. Moi, je ne suis pas comme les autres ce sou. Vous viens, vous leur donne 5 millions ou bien 2 millions, 3 millions. Bon, bon, là. Mon tangai, mon wora kobi, ton gowa, soit ou ma da fuck et kui. Nous, on n'a pas besoin de vos matériels. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin de ça. Le cœur, love, c'est ça. C'est ça que nous voulons, la jeunesse guinéenne. Mais comme certaines jeunesses sont conscients, ignorants, il fait que suivre la politique d'Alpha Condé, régner pour diviser pour régner. Mais comment vous pouvez accepter que oui, tu manges avec ta voisine ou bien ton voisin pendant 50 ans, Alpha Condé vient vous diviser. Tu pries avec ton voisin ou bien avec ta voisine dans la même mosquée, Alpha Condé vient vous diviser. Comment vous pouvez consoler cela? Comment vous pouvez imaginer, comprendre? Donc, essayez de comprendre que la famille, moi, je ne vais jamais demander, défendre RPG Arc-en-Ciel jusqu'à ma mort. Jamais. Moi, mon parti, je vous ai dit,
J'ai qu'un seul politicien en Guinée en 2021, en 2020, 21e siècle, un seul politicien qui s'appelle, et là c'est Ludel Njalou. Le reste, ce n'est pas mon problème.